Deux religions ça y est pas qu'à marier. Deux religions ça y est pas qu'à marier. Bonjour, bonsoir, salut, frère Maxime, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit côté d'un enseignement ça, en Haïti ou à l'étranger, dans le groupe l'école de Dieu en Jésus-Christ, dirigé par le Saint-Esprit de Dieu, cours l'église de Dieu en Jésus-Christ, dirigé par le Saint-Esprit de Dieu également, ainsi que YouTubeur, amen. C'est pas YouTubeur non. Et alors, fanatique YouTube, abonnez yo. Hein, m'a parlé de abonnez yo. Donc, nous saluons nous toutes, tout abonné, toute petite l'école Jésus-Christ, toute petite l'église Jésus-Christ. Moi saluons nous toutes dans le nom Jésus-Christ de Nazareth. Donc, frère nous qui c'est micro et qui c'est reporter de la bonne nouvelle du royaume, parler avec nous. Donc, cet esprit pour parler avec nous à travers frère nous. Comme d'habitude et comme toujours. Donc, l'enseignement maintenant, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, bon, il est un peu en prédication, ok? Nous connaissons prédication, c'est qui ça? Donc, nous connaissons prédication, c'est exhorter, c'est encourager, faire ça qui est bon et décourager, faire ça qui n'est pas bon. Donc, c'est ça exhorter, c'est ça qu'en dans exhortation. En dans exhortation, où je vais encourager, petit bon Dieu, faire ça qui est bon et décourager, déconseiller, le faire. Ça qui n'est pas bon. Ou bien conseiller le fait ça qui est bon et déconseiller le fait ça qui n'est pas bon. C'est ce que je veux dire en d'autres termes, exhortation. Donc, l'exhortation maintenant, c'est la base de la prédication. OK? Donc, ça veut dire l'enseignement lui-même qui s'allie, son lumière. L'enseignement est une lumière, pas vrai? Donc, nous connaissons ça déjà, l'enseignement est une lumière. Donc, l'enseignement, c'est qui ça? L'enseignement, c'est la révélation. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est la révélation profonde des choses caché dans la Bible, dans les Saintes Écritures, dans l'Écriture, ok, dans la parole de Dieu qui c'est Jésus-Christ. Donc maintenant, titre leçon je dis c'est deux religions ça ont pas qu'à marier, deux religions ça ont pas qu'à marier ou bien dans l'autre sens, dans l'autre en d'autres termes, deux dénominations ça ont pas qu'à marier ou bien deux sectes ça ont pas qu'à marier. Donc mes amis, nous connaissons ça c'est un enseignement à la fois une prédication qui rarement enseigné ou bien prêché pour me pas dire jamais ça veut dire c'est pas facile ou attendre un enseignement en prédication sous avec titre ça veut dire pour yo pour comme si pour peuple bon Dieu a connaît qui de secte ou bien couramment parlant qui de religion OK qui capable marié qui capable vivre ensemble. Est-ce que nous comprenons? Parce que il y a des sectes, c'est écrit S-E-C-T-E. C'est synonyme dénomination en français qui écrit D-E accent aigu N-O-M-I-N-A-T-I-O-N. Et qui c'est synonyme tout religion selon le contexte du monde. Religion, c'est synonyme. Donc, l'on dit religion, dit dénomination, ou dit secte, c'est synonyme selon sens mondain, bayo. Mais selon la Bible, nous connaissons déjà selon la Bible, religion veut dire zèle, religion veut dire piété. Est-ce que nous comprenons? Donc, maintenant, dans le sens contexte mondain, l'on dit deux religions, ça n'a pas qu'à marier, c'est dans le sens de dénomination. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Sans nous pas faire personnalité, nous pas citer non yon assemblée locale, ça nous connaît l'église locale là. Donc n'a citer à travers non nous connaît dénomination, nous connaît par exemple on dit baptiste, pentecôtiste, adventiste, témoin de Jéhovah. Ça c'est des sectes, mais c'est pas des noms propres que y. Est-ce que nous comprenons? C'est pas leur fait ça, les leur citer mot ça c'est pas personnalité ou fait. Non. Donc ça veut dire nous pral conseiller en même temps nous pral enseigner en même temps nous pral prêcher en même temps nous pral exhorter tout ça c'est synonyme et qui de religion qui capable normalement matcher qui ca marier on comprend plus ou moins pour yo pas gain problème pour yo capable vivre en paix. OK, et on aller rapidement nous connaît ça me pral dire là enseignement ça il pas concerné chrétien.
n'est pas concerné chrétien. Dans quel sens il va concerner chrétien? C'est sûr que des monde qui dit ah bon, s'il pas concerné chrétien et mais ça veut dire c'est pour pas un enseignement ça fait. Non. L'homme dit pas concerné chrétien dans quel sens? Dans le sens moi dire on prend le normal. Parce que chrétien lui-même n'est pas fait choix pour quoi. Chrétien pas fait choix pour quoi. Selon Genèse 2 verset 22. Chrétien pas fait choix pour quoi. Donc enseignement ça il concernait seulement protestants. Quand il y a un monde qui c'est chrétien qui te mettait dans l'eau protestant ou bien qui te mettait dans l'équipe protestant, eh bien qu'on y a qui ça cap passé, eh bien c'est pour ça enseignement là son lumière lié automatiquement yeux vin clair et puis la retirer col dans équipe protestant parce que il y a monde qui chrétien qui comporté autant comme protestant. Est-ce que nous comprenons? Il y a monde qui chrétien qui comporté autant comme protestant. Rapidement on regarde pour nous qui sens protestant gain. Protestant en gros mais qui s'allie. Protestant c'est toute secte. OK? Protestant oui, attendez oui. Protestant sont religion. Mais en dedans protestant, religion protestante ou bien le protestantisme en français, ou joignent toute secte nette sauf catholique qui pas entré en dedans. Donc toute dénomination qui vient après catholique romaine qui vient après le catholicisme romain tout net entrer dans religion protestante là à savoir adventiste pentecôtiste témoin de Jéhovah et baptiste méthodiste musulman Branham, etc., etc. Ou bien Branhamisme, ma koné, Mormon, etc., etc. Et comment encore? Corps de Christ, et disciples, comprenne? Etc. Donc, tout ça yon net yon entré dans ensemble protestant. Raison. Parce que l'on dit protestant ou est dénomination. De pour dire protestant ou est dénomination. De pour dire protestant ou est secte. Maintenant, on va dire que nous allons le saisir. Talia m'a dit catholique par la raison. Parce que le protestantisme, il sorti en dedans catholique. Ça veut dire sorti en dedans catholique, il est venu en face catholique. Il est venu camper en face catholique. Est-ce que nous comprenons? Protestant vient camper en face catholique, mais c'est en dedans protestant catholique. C'est en dedans catholique, là, I'm sorry. C'est en dedans catholique que protestant sorti. Protestant sorti en dedans catholique avec Martin Luther. Est-ce que vous comprenez? Donc, il vient camper en face catholique là. Mais, il campe en face catholique là, certes, mais pas une grande différence entre comportement yon catholique et yon comportement yon protestant dans mode de vie yo, dans coutume yo. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, catholique là, il est marié à bague, c'est lui-même qui vient à ça même. Il est marié à bague. Et protestant tout, il est marié à bague. Catholique là, tout ça l'a fait dans prière. L'a dit dans prière. Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avec un signe, il est accompagné d'un signe de la croix avec le signe de la croix. Protestant tout ça l'a dit, il fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans signe de la croix. C'est seulement signe quoi? Signe de quoi? C'est seulement lui-même qui fait cette différence-là entre un protestant et un catholique. Catholique-là, lui utilise croix dans tout ça l'a fait. Protestant utilise croix, signe quoi, symbole quoi, dans tout ça l'a fait. Sauf que catholique-là, pas catholique-là, lui gagne toujours gagne dessin au monde solé. Pas protestant, lui-même pour faire différence, lui retirer dessin monde sous lui. Est-ce que nous comprenons? L'Église catholique toujours mettait symbole quoi devant l'Église lui. L'Église protestante fait même bagarre. Est-ce que nous comprenons? Donc maintenant, en dans ce qu'on y a,
en dans sec protestante là, en dans sec protestante qu'on a, on va joindre des sec qui pas aucune différence du tout dans apparence yo avec catholique. Par exemple, lorsqu'on en dans protestant, lorsqu'on pentecôtiste, lorsqu'on regarde yo apparemment, OK, physiquement, apparemment, on peut voir une différence entre protestants ça qui sont pentecôtistes avec un catholique. Raison, parce que pentecôtiste là, un, il pas mettre pantalon, deux, il pas mettre jupe courte qui pire au genou, trois, cheveux naturels, quatre, le lendemain temps bon Dieu a li met ton petit bail dans mi tête li, OK, ta continue pon, ça on connaît pas connaît menti ou bien menti a. Donc et catholique là lui-même il pas mettre. Mais l'on prend un baptiste, ou prend un adventiste, ou prend un méthodiste, il y a toujours, même prend trois ça, l'on prend un adventiste, un baptiste, un méthodiste, pas de différence entre eux-mêmes et eux catholique, apparemment. Parce que tous les deux mettaient permanente, tous les deux mettaient allonge greffe, tous les deux mettaient bijoux, tous les deux mettaient rad coûte. Tous les deux étaient rad plaqué, tous les deux marchaient à corps de haut, 20 corps. Là, pas de différence. Donc, là, on baptise un catholique, on ne peut pas différencier. Depuis qu'on baptise un catholique, pas de différence. Apparemment, on ne peut pas faire. Sauf dans le langage, on ne peut pas différencier. Mais, dans la façon dont on habille, dans la tenue, en ce qui a trait à la tenue, habillement, OK? Pas de différence entre catholique et baptiste. Entre catholique et adventiste, entre catholique et méthodiste. OK? Donc maintenant, qui ça fait ça? C'est parce que tout simplement, nous comptons des chrétiens qui ont parlé, qui ont dit religion, c'est le christianisme. Pas dit ça encore. OK? Chrétien qui ont dit, petit bon Dieu qui ont dit l'enseignement, puis nous dit ça encore. Puis nous dit, religion, c'est christianisme. Pas jamais dit ça. C'est ça que fait dans le commencement enseignement, me dit enseignement ça pas concerné chrétien, mais l'homme dit chrétien c'est monde qui connaît ou c'est chrétien. C'est monde qui gagne révélation ça déjà. C'est monde qui gagne lumière ça m'a bail là déjà. Parce que il y a monde qui chrétien qui comporte tête tant que protestant. Exemple, un chrétien qui a parlé qui dit lui c'est religion c'est christianisme. Ça veut dire il comporte tête là, il considère tête là tant qu'on protestant. Raison parce que chrétien pas gagne religion. Chrétien pas gagne religion, chrétien pas gagne secte, chrétien pas gagne dénomination, ça n'existe pas pour les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que fait me dit chrétien qui a tendance enseignement ça qui était dans fait noir, qui était soit considéré tête ou bien comporté tête ou conduit tête ou bien parler tant qu'on en protestant, eh bien faut nous détromper nous, faut nous sortir dans fait noir. C'est pour ça enseignement ça, c'est pour ça Saint-Esprit a parlé avec nous dans enseignement ça à travers moi-même. Qui c'est Micole? Est-ce que nous comprenons? Chrétien pas gain religion. Chrétien pas gain religion. Et si on monte à force pour dire là, dans qui sont quoi? Chrétien gain foi. Selon Éphésiens 4 verset 5, chrétien il gain foi. Le chrétien a une foi. Une foi. Le chrétien a une doctrine. Ça veut dire doctrine là, il veut dire foi, c'est synonyme foi. Éphésiens 4 verset 5. Il dit qui ça? Cet esprit bon Dieu dit la donne, il y a une seule foi. Un seul esprit, un seul baptême. Il y a un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. On me dit de l'autre façon, il y a un seul Dieu, un seul Saint-Esprit, un seul Jésus, un seul Christ. Une seule foi, ça veut dire une seule foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule doctrine, une seule lumière, un seul enseignement. OK? Une seule parole. Donc une seule foi, ça veut dire une seule doctrine. Donc chrétien pas gagné, chrétien pas gagné religion, mais chrétien gagné foi. Selon Éphésiens 4, 5, il y a une seule foi, la foi chrétienne. Le chrétien gagné, il y a une seule foi. Le chrétien a une foi. Le chrétien a une doctrine. Et cette doctrine-là, c'est la doctrine
du Christ. Selon 2 Jean 1, verset 9. 2 Jean 1, verset 9. Il parlait, ok, de la doctrine du Christ. Ok? Donc, chrétien, il y a une seule foi qui c'est la doctrine du Christ. Et le fondement du chrétien, c'est quoi? Le fondement du chrétien, c'est Jésus-Christ. Selon 1 Corinthiens 3, verset 11 et Éphésiens 2, verset 20. Chrétien, il y a un seul fondement, ok? Qui c'est Jésus-Christ. Selon 1 Corinthiens 3, verset 11 et puis devant dans Éphésiens 2, verset 20. Donc, chrétien pas une religion, chrétien pas une secte, chrétien pas une dénomination, tant que pentecôtiste, baptiste, etc. Non, ça pas pour chrétien, ça c'est pour protestant. Maintenant, nous allons entrer directement dans le sujet. Deux religions qui ne peuvent pas marier ensemble. Dans toute religion, nous contendons dans le monde là. Dans toute dénomination, nous contendons. Dans toute secte, nous contendons. Mais yo, alors, je prends ça qui plus fréquent, ça qui plus courant, ça qui plus populaire. Yo. Ok? Donc, les religions, les dénominations les plus fameuses, les plus populaires, et avec nous aller. Par exemple, attendez bien, oui? Deux adventistes qui sont mariés. Et un adventiste pas qui marié à aucune autre religion. Je reprends. Deux adventistes qui marié. Ça veut dire, adventiste, c'est adventiste pareil, seulement qui marié. N'importe adventiste qui marié avec une autre dénomination, notre religion, il n'a pas entendu bien, il a boumé tout le temps, a toujours gagné querelle, a toujours gagné dispute, a toujours gagné mettre, a toujours gagné guerre entre eux, a toujours gagné parole en pile, a toujours gagné tac au tac, que la Bible bavle, a toujours gagné discussion folle. Deux adventistes doivent marier ensemble. Un adventiste doit marier avec un adventiste pareil. Mais bien entendu, il y a deux types d'adventistes. OK? Il y a adventiste du septième jour, il y a adventiste réformé. Réformé, il est toujours quoi dans le septième jour à tout dans le sabbat, sabbat physique là, qui était fait pour païen, selon 1 Corinthiens 1, verset 9. Là. Mais adventiste réformé, lui-même, il comporte apparemment tant qu'on pentecôtiste. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire adventiste réformé, il pas mettre bijoux. Mais adventiste du 7e jour, il même décolle net. Adventiste du 7e jour, on pas faire différence entre lui-même à un catholique, ou pas faire différence entre lui-même à un vaudouisant, ou pas faire différence entre lui-même à un païen, ou pas faire différence entre lui-même à un baptiste. Ça c'est adventiste du 7e jour. Mais adventiste réformé, yo même tout yo kwen dans sabbat, sabbat corvée, sabbat physique là qui était fait pour païen, qui était fait pour rebelle monde qui rebelle yo. Selon 1 Timothée 1:9 là, mais adventiste réformé, yo même yo pas mettez bijoux, yo pas mettez permanente, yo pas mettez allonge-greffe, yo pas mettez perruque, yo pas mettez rad calico, yo pas mettez pantalon. C'est différent ça gain entre adventiste réformé et adventiste du 7e jour. Nous prenons prendre deuxième religion, deuxième secte, deuxième dénomination. Deuxième. Deux témoins de Jéhovah doivent marier, ka marier et pour y entendre c'est un témoin de Jéhovah, un témoin de Jéhovah. Ça veut dire témoin de Jéhovah pas ka marier à l'autre religion même gens à adventiste là. Quel que soit adventiste là, que le 7e jour que les réformés, ça adventiste pareil pour le marier. Sinon, dégâts dans le foyer. Mais même j'ai tout témoin de Jéhovah, c'est témoin de Jéhovah pareil tout pour le marier. Témoin de Jéhovah pas qu'à marier à aucun autre secte, aucun autre religion, aucun autre dénomination que témoin de Jéhovah pareil. Ok? Sinon, il y a toujours un gain dans le foyer. Il y a toujours un goudou dans le kaila. Ok? Témoin de Jéhovah, Maria, témoin de Jéhovah, pareil. Adventiste, Maria, Adventiste, pareil. Ok? Parce que, le, on témoin de Jéhovah pour l'autre secte,
tako protestant et tako I'm sorry tako pentecôtiste tako baptiste tako méthodiste tako adventiste li marié adventiste li même li croit Jésus c'est Dieu pourtant témoin de Jéhovah pas croit Jésus c'est vrai Dieu témoin de Jéhovah croit Jésus son petit Dieu il pas vrai Dieu ça veut dire toujours qu'on parle en pile est-ce que nous comprenons bon. Nous parler n'a pas avancé dans troisième religion qui pour marier à religion pareille. Troisième religion qui doit marier à religion pareille c'est musulman. Musulman doit marier à musulman pareille. Raison parce que musulman il pas reconnaître Jésus comme Dieu, il reconnaît Jésus comme un prophète. Musulman pas reconnaître Jésus comme Dieu, comme le vrai Dieu. Il reconnaît Jésus comme un prophète. Ça veut dire si l'a marié avec un autre secte, a toujours des problèmes, presque même Jean témoin de Jéhovah a toujours des problèmes. Non, foyer a toujours des guerres, a toujours des du feu. OK? Cap il met en dedans foyer ça, comprendre a toujours des bataille mais. OK? Maintenant, adventiste comme doit marier adventiste pareil, pas de problème. Mais qu'on y a et un catholique. Catholique, lui-même est censé universel. Catholique est censé universel parce que catholique est très, lui-même est très tolérant. Il est très tolérant lui-même. Il est très tolérant, pas de problème. Un catholique qui marie à baptiste, adventiste, témoin de Jéhovah, n'importe l'autre secte là, catholique qui marie. Mais il y a un petit problème oui, avec témoin de Jéhovah, avec musulman parce que catholique là. Catholique là, il croit Jésus, c'est vrai Dieu. Bien que il blasphème non ça pas qu'on est. Alors il blasphème titre Jésus-Christ ça pas qu'on est. Parce que Jésus c'est maître, il y aurait dans la Bible là, mais on après catholique il dit grand maître, or l'autre dit grand maître c'est Lucifer. Il pas qu'on est, il dit grand maître c'est pour Lucifer. Grand maître pas pour Jésus, Jésus c'est maître. Mais catholique là croit quand même Jésus c'est vrai Dieu. Pourtant, témoin de Jéhovah pas quoi, musulman pas quoi. OK, et grand pile d'autres religions qui pas quoi. Donc, généralement adventiste et catholique là, il ca marié à n'importe quel secte. Catholique ca marié à vaudouisant, il ca marié à n'importe quel secte. Parce qu'il est très vague lui-même. Il y a un problème. Et nous ca remarquer un bagage. Remarquer bien pour nous bagage. Tout monde qui pas chrétien, il est catholique. Depuis ces monde qui pas chrétien de dans monde dans le païen, c'est païen. Depuis mon n'a pas chrétien pourquoi accepter Jésus toujours dit les catholiques. Depuis moi des religions du catholique. Exemple. Toute maçonnerie c'est catholique. Toute toute maçonnerie c'est catholique. Tout monde qui dans rose croix c'est catholique. Après tout du catholique. Tout ougan du c'est catholique. Tout mambo. Tout monde qui dehors du c'est catholique. Et ou après vraiment vrai. Ou après vraiment vrai, yo à l'aise pour entrer dans l'église catholique, il pas aucun problème. Mais yo pas entrer dans une autre secte protestante. Tant que par exemple pentecôtiste, tant que baptiste, tant que méthodiste. OK? Bon. Maintenant, attention à mot christianisme là. Lorsque dit christianisme, on va parler directement de catholique. Dès qu'on dit christianisme, christianisme c'est catholique même qui vient avec ou religieux ça qui vient à terme ça. Donc automatiquement un chrétien parle de lui il fait partie du christianisme et bien et comme je te dis ou sont catholiques tout et comme je te dis ou sont protestants tout. En dans le christianisme ou jeune catholique ou jeune protestant. Ou quand ça soit pas jeune là-dedans ou pas jeune chrétien là-dedans. Parce que chrétien il pas gain secte, j'ai noté dit dans commencement seulement il pas gain secte, il pas gain religion, il pas gain dénomination. Mais chrétien gagne yon doctrine, li gagne yon foi. Qui c'est Jésus-Christ. Li gagne yon doctrine qui c'est la doctrine du Christ. OK, selon 2 Jean 1 verset 9. 1 Corinthiens 3 verset 13 et Éphésiens 2 verset 20. Donc mes amis, faut nous très prudents. Faut nous très prudents les n'a fait choix. Un catholique al marié avec un adventiste al marié à n'importe quelle religion,
a des problèmes. Parce que les adventistes avaient à l'église à petit lit, et puis pentecôtistes là ou bien baptistes là, OK, ou bien méthodistes là, ou bien n'importe l'autre là, ils même ils pas à l'église. OK, allant by sabbat by forcea corvea, et dans dimanche l'élève à l'église à petit lit adventiste qui doit pas venir. Donc a toujours des problèmes. Le qu'on y a là, on témoin de Jéhovah à le marier avec une autre religion, s'il fait ça par erreur, par émotion, le l'autre secte là, après de Jésus dans la témoin de Jéhovah pour le dire, pas citer non Jésus là, parce que c'est Jéhovah vous dit. Et vice versa. Le témoin de Jéhovah lui même, il va aller de Jéhovah dans la mais l'autre protestant, hein, lui même, il va dire l'autre secte là, il va dire c'est pas Jéhovah pour dire c'est Jésus-Christ. Donc il y a toujours une guerre. Mes amis, on cale les genoux. Les n'a fait choix, pas fait choix pour nous. D'ailleurs, chrétien pas fait choix pour nous. Chrétien pas fait choix pour nous. C'est bon Dieu qui fait choix pour un chrétien. Est-ce que nous comprenons? Mais moun, depuis c'est moun qui a fait choix Chanel là. Des bons qui a fait choix pour quoi? Eh bien, automatiquement, on fait choix pour quoi? Ou pas chrétien encore? Parce que chrétien, c'est volonté bon Dieu qui passait dans la ville avant. Ce n'est pas volonté l'avant, mais c'est volonté bon Dieu qui est prioritaire pour chrétien. Comprenez? Ça veut dire si c'est bon Dieu, ou qu'on est chrétien, ou quitter bon Dieu fait choix pour vous, eh bien, bon Dieu n'est pas des ordres. Selon 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40, bon Dieu par un bon Dieu des ordres, il n'est pas jamais la bon chrétien pareil. La bon chrétien pareil. Parce que tout sec autant de dans le monde net, tout sec, adventiste, baptiste, catholique, témoin de Jéhovah, et musulman, branamis, mormon, vous comprenez, vaudouisant, depuis ces religions qu'on entend dans les oreilles net, tout c'est dans le monde païen. Selon 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde. Donc, sous chrétien, pas quand même le monde là, ni ça dans le monde là. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire, automatiquement, dans verset 16 là, vous comprenez, si vous pouvez faire choix pour quoi, vous pouvez faire choix émotionnel là. Ça veut dire pour belle femme, pour beau garçon, pour bien camper, pour qu'on habille, pour belle machine, pour belle caille, pour un pile fortune, un pile l'argent, un pile terrain, et bien automatiquement, vous tombez dans convoitise selon 1 Jean 2, verset 16, dans verset 16 là. Donc mes amis, nous connaissons chrétiens, bon Dieu parle, chrétiens vivent selon eux-mêmes. Chrétiens ne doivent pas aimer ni monde là, ni ça dans monde là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui fait, faut nous très prudents, chrétiens, faut nous très prudents. Depuis ces 5 ans d'existence, tout c'est dehors. Ça veut dire bon Dieu n'est pas des ordres. Je ne sais pas selon 1 Corinthiens 14, 33 et 40. Bon Dieu pas qu'un chrétien pour bon Dieu prend sous chrétien pour prendre pentecôtiste pour le boire pour marier. Bon Dieu pas jamais prend pentecôtiste pour le boire au chrétien pour le marier. Bon Dieu pas prend un baptiste pour le boire au chrétien pour le marier. Bon Dieu pas prend un adventiste pour le bon chrétien pour le marier. Bon Dieu pas prend un méthodiste pour le bon chrétien pour le marier. Bon Dieu pas prend un mormon pour le bon chrétien pour le marier. Bon Dieu pas prend un musulman ou bien musulmane pour le bon chrétien pour le marier. Non. Bon Dieu pas fait ça parce que bon Dieu pas des autres. Bon Dieu a prend chrétienne pour le bon chrétien pour le marier. Bon Dieu a mettez deux chrétiens ensemble. Mais bon Dieu pas jamais mettez un chrétien un païen. Parce que tout sexe toutes sectes net, c'est païenne. Toutes les sectes sont païennes. Toutes les dénominations sont païennes. Parce que la Bible pas connaît. La Bible pas connaît sexe ça. La Bible connaît la foi du Christ. 2 Jean 1, 9. La Bible connaît la doctrine du Christ. 2 Jean 1, 9. La Bible connaît l'enseignement du Christ. 2 Jean 1, 9. La Bible connaît la connaissance de Jésus-Christ. 2 Jean 1, 9.
Est-ce que nous comprenons? Donc, mes amis, attention. Selon 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, un chrétien pas qu'à marier avec un pentecôtiste. Un chrétien pas qu'à marier avec un baptiste. Un chrétien pas qu'à marier avec un adventiste. Un chrétien pas qu'à marier avec un méthodiste. Un chrétien pas qu'à marier avec un musulman ou bien musulmane. Un chrétien pas qu'à marier avec un branhamiste. Etc. Etc. Un chrétien pas qu'à marier avec un catholique. Etc. Etc. Donc attention chrétien. Attention chrétien. Lorsque c'est chrétien ou c'est lumière. La paix Jésus-Christ va la venir. À demain si tu le veux pour un autre enseignement. Partagez enseignement ça. Et me salue tout abonné captain d'enseignement ça. Me salue tout abonné captain d'enseignement ça. Me salue tout élève Saint-Esprit captain d'enseignement ça. Bye bye. Moi remets nous dans Jésus-Christ.